Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Et aujourd'hui, on continue notre épopée sur Monster Hunter Rise. Du coup, la dernière fois, nous avions affronté le Kuluyaku et le... Et l'Awashira. Qui veut me parler ? Déjà, il y a la loterie. Ah, je mets le camion, s'il vous plaît. Jackpot ! Yeah ! Ah, qu'est-ce que tu veux ? T'as pris cette photo pour moi ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait pris une photo d'un Awashira qui faisait peur. Enfin, qui faisait dodo. Il a l'air tout doux celui-là. Merci. Cette photo est super. Ah, au fait, il paraît que Monsieur Amon et Monsieur Nakago ont fait une superbe grosse arme qui ressemble à un nounours. Et ils m'ont dit que c'était que pour les grands. Et si tu veux la voir, tu devrais aller leur parler. Sérieux? Ah, vas-y, à quoi ça ressemble, que je rigole. Ah tiens, le marteau à l'unidron. Oh, il est volo, le marteau. Il a une bonne tronche, je trouve. Du coup, ce serait quoi comme... Ce serait ourson, je suppose. Le marteau Gossarag. Ah oui, si. Une grosse masse de glace. Oh, genre le marteau guide, c'est... Ah bah c'est ça. Un gros marteau nounours et qui fait sommeil. C'est très fort. Ok, alors il reste deux quêtes à faire. C'est-à-dire, il reste le Kessou et... Le Kessou et le Lagombi. Ça aurait été bien d'avoir une poche infernale pour pouvoir faire le... Pour pouvoir faire l'arme de feu. En Acnosum. Ça aurait été intéressant, mais bon. On peut pas tout avoir non plus, quoi. Ah, je peux faire la lame calamité. Il me faut quoi pour ça? Voilà, forgé, ouais. Et alors, du coup... Ah d'accord, et on peut changer les couleurs de l'arme comme ça. Ok, d'accord. C'est cool. Alors, j'ai pas d'arme de feu. Ok, bah tant pis. On va y aller avec après on peut y aller avec une arme de foudre en vrai, hein, parce que le Lagombi, ouais, mais non, moi, franchement, entre foudre et feu comme ça, peut pas exagérer non plus, quoi. Il y a les demandes aussi qu'il va falloir qu'on fasse. Histoire juste de compléter le jeu, en fait. Hein. Mais bon, on a le temps. Du coup, le Lagombi et le Kessou. On va faire ça. Donc, le Lagombi. Au final, à peu de choses près, on refait les mêmes quêtes qu'on avait faites en village. Hein.
Mais bon. Moi perso, ça me va très bien. Ça permet de revoir un peu les monstres également. Allez, c'est parti. Squid, ils sont de l'autre côté. Parfait. J'ai loupé le truc avec l'attaque. Juste récupérer un peu de minerai aussi. Parce qu'on va en avoir besoin des minerais. Bois. Oh. Oh, la confusion. Merci le chien. Le chien qui arrive pile au bon moment, comme d'hab. Qui m'aurait touché de là où il était. Oh non! Ah zut! Comment il slide. Oh non, mais j'avais appuyé. Oh là là. Ça se joue vraiment à une frame, hein. C'est horrible. Vous voulez
Là j'ai fait le con. Bah dis donc, la boule de neige a été violente hein. Aïe. Il a un peu cherché aussi. Séisme. Oh bien. Vas-y. Oh, dommage. Mais non. Oh là là. Ça c'était cool. Ça aurait été encore plus cool si j'avais réussi à toucher avec mon lien de soie, mais on va pas trop en demander. Oh, c'était bon ça le. Oui, la confusion. Ouais, alors par contre si je vais taper Taushnok pour avec mon attaque, ça va pas le faire. Oh, le pauvre arbre. Oh, dommage. J'ai détruit toute la faune. Enfin, toute la flore, pardon.
Non, alors ça c'était une belle erreur ça. Ah, chaque son utilisé c'est une erreur. Hein. Allez le chien. Allez le chien, arrête d'être débile. Ok, je pensais que j'avais une sous-quête pour ça, mais non. Oh là, la bombe flash, histoire de le terminer. Oh là là, le pauvre. Moi aussi je sais glisser. Ah non, dommage. Et ben merci le chien et le chat. Mais le chien il est tellement agressif, c'est impressionnant. Bon, après aussi, ça, mon chat ça doit être un... Enfin vu que c'est un tracker, il est plus dans le soutien que plutôt dans l'attaque. Donc c'est complètement normal. Mais le chien qui attaque, il est fou mon chien. Un lys précieux là? C'est une blague? Il devait être de ce côté en fait. Pas mal. Ok, et ben c'était plutôt intéressant. Mais là on sent que les armes elles sont un peu faiblardes.
On sent que c'est. Enfin, après, ça va, hein. C'est du classique au niveau des dégâts. Enfin, le temps que ça prend, pour moi, ça me choque pas vraiment. Bon, eh bien, en tout cas, ce sera tout pour cet épisode de Monster Hunter Rise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse!